Bonsoir. Bon, non, moi c'est Rose Lavo. Moi, quitté Haïti à l'âge de 8 ans. Moi, rentré ici. Moi, pas parler anglais du tout. Maman était déjà ici, papa était ici. Moi, rentré avec deux autres frères. Moi, j'ai un petit frère qui était fait ici. Le moins fait rentrer, moi, j'ai un peu de difficulté pour me capable ajuster avec culture américaine, pour me capable ajuster avec l'école. Mais moi, j'ai compris en classe, l'école pour aider me parler anglais, classe atterrée, les ESL, que peut-être qu'on y a non changé, mais c'est ça aussi qu'on les pendant que moi, l'école, qu'on prend un groupe d'élèves, que moi-même, j'étais là donné avec deux, trois autres élèves, et mettez nous en classe ensemble avec un professeur qui pour montrer nous parler anglais. L'anglais est venu un peu facile pour moi parce que maman me parlait anglais, papa me déjà parlé anglais. So, fait nous toujours à parler anglais en dedans là, qui fait que moi j'étais capable de prendre l'anglais facile. Mais c'est pour me capable vraiment intégrer dans la culture américaine. Moi j'étais un peu de difficulté parce que gens que nous avons vécu en Haïti étaient différents que gens nous viennent vivre dans le pays ici. Parents étaient un petit genre protectifs, ils voulaient que nous fassions tout barré bien. So, nous n'avons pas vraiment gagné en pile d'amis, mais à cause que moi j'étais un frère moyen, moi j'étais capable de parler ensemble avec eux. Pendant que nous grandissons plus, nous venons un petit genre branchés dehors, nous avons des amis qui parlent anglais, qui fait que nous sommes capables plus vite parler anglais toujours. Moi, continuer l'éducation, moi, aller dans l'école secondaire, après ça, moi, rentrer dans l'université, après ça, moi, faire maîtrise, moi, quand y a là, moi, travaille comme un administrateur pour payer ici, dans l'hôpital, qui aide des gens qui ont des petits problèmes mentaux, problèmes psychiatres. Moi, vraiment, moi, j'aimais ça que m'a fait, hein, moi, senti que m'a aidé l'autre monde. Avec l'anglais tout, le fait que moi parler créole, moi parler un peu de français, me permet moi capable parler avec patients qui pas gagné en pile anglais qui anglais ou vraiment limité ou bien parler créole seulement, so moi capable aider ou puis capable comprendre ça que docteur a dit, puis capable comprendre ça que nous besoin pour faire notre traitement. So, c'était un plaisir pour moi capable participer dans le projet ça, pour me capable dire comment que l'anglais aide moi, le fait que je suis capable parler créole pour m'aider l'autre monde qui pas parler anglais, même gens que l'homme t'a fait rentrer, t'a joué un monde qui t'a aidé, qui pas parler et que les mêmes pas parler créole, que eux même parler anglais. So, moi gagne une opportunité pour me capable aider l'autre monde et ça aide ma pile. So, avec ça qui fait que moi j'ai un plaisir pour me capable participer dans le projet ça. OK? Merci.